Welcome les amis, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve dans Minecraft pour un concept inédit les amis. Nous allons inverser la map, et oui les amis, nous allons être la tête en bas et les jambes en haut. Regardez-moi ça, c'est vraiment magnifique, je prends ça et hop là, voilà, bonjour messieurs. Alors attendez, je vais descendre, comme ça vous voyez bien, et là le monde est inversé les amis. Donc aujourd'hui, le but du jeu est tout simplement de survivre un maximum dans ce monde, et de faire une survie un peu classique on va dire, mais avec cette difficulté là où le monde est inversé. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche, ça me ferait énormément plaisir. Comme je vous le rappelle, il y a l'objectif 50 000 abonnés, donc je compte sur vous pour qu'on y arrive le plus rapidement possible. N'hésitez pas aussi à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que c'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne. Et n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et le commentaire qui fait toujours énormément plaisir. Et moi je vous dis, let's go, c'est parti. Ok les amis, donc on est parti tout simplement pour survivre un maximum de temps dans ce monde qui est tout simplement inversé. J'ai la tête en bas et j'ai les jambes en haut, donc au niveau du ciel, et la tête au niveau du sol. Donc ça va être super marrant, on va essayer de faire des choses, tout simplement. Donc la première chose qu'on va faire, c'est aller prendre du bois. Et bien sûr, alors les blocs sont attirés par la gravité de la terre, donc du coup ils viennent au sol. Donc en gros ils sont inversés. Oui, ça fait mal à la tête en regardant cette map là, mais oui, c'est tout à fait normal, vous inquiétez pas. Donc là, hop là, j'essaye de récupérer mon bloc. Hop là, il faut sauter pour le récupérer. Et là, alors, est-ce qu'il reste un bloc, deux blocs? Ok, je peux casser encore, parce que bien sûr, si je casse l'arbre, eh ben en gros je vais tomber dans le ciel. Comme dans le Minecraft... Non, pas comme dans le Minecraft classique, excusez-moi. Non, non, je vais tomber dans le ciel et je vais tout simplement mourir à un moment donné parce que je vais arriver aux 256 blocs. Donc, ce qui me permet de faire ça, tout simplement, les amis, c'est cette enclume-là. Donc, il faut que je la garde dans mon inventaire pour pouvoir être à l'envers. Voilà, tout simplement. Donc, la première chose que je vais faire... Alors, ça, c'est un peu gênant parce que j'avais pas prévu que dès le début, ça commence comme ça. Donc, on va juste remettre le jour. Donc, regardez-moi ça. Déjà, rien que la table de craft est à l'envers. Donc, ça veut dire, regardez, si vous avez jamais vu le bas d'une table de craft, ça ressemble à ça, ce qui est posé contre la terre. Et vous le voyez jamais, normalement. Mais là, on va le voir. Et ça, c'est vraiment trop cool. Tous les items vont être inversés, si vous l'avez bien compris. Donc ça va être vraiment trop cool. Donc allez, let's go. On va se faire juste les outils de base. Voilà, tout simplement comme ceci. On va faire ça comme ça. Alors attendez, avant de faire les outils de base, j'ai oublié de quelque chose. Ça aurait été un peu bébête. Ouais, comment je fais là? Est-ce que je peux prendre de la terre? Ah non, je peux même pas le... Ah, je peux même pas le récupérer. Mon dieu. Si, là je peux le récupérer comme ça. Non, je peux pas le récupérer. Là, oh c'est bon, je peux le récupérer. Ok, ça c'est cool. Là aussi, hop là, voilà. Donc là je le récupère. Et vous inquiétez pas, là dans mon coin d'écran, je sais plus où c'est exactement. Bah, j'ai perdu. Je crois que c'est là-bas. Là-bas, je sais pas si vous voyez, mais je crois qu'il y a un village. Alors je sais plus où il est exactement. Ah là, là il est là. Donc on va essayer d'y aller les amis de ce village. Donc allez, let's go, c'est parti. On monte et on va essayer de faire une survie un peu classique. Donc du coup là vous l'aurez compris, c'est un peu compliqué hein, dans ce mode. Donc c'est tout à fait normal, tout est inversé. Donc ça va être un peu mindfuck dans ma tête, surtout quand je vais devoir faire des chemins ou des choses comme ça. Donc j'ai dit que le village était où? Là-bas. Donc on va essayer de se déplacer vers là-bas, mais sur notre chemin on va tout simplement essayer de passer vers des endroits où il y a des arbres. Donc hop, 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 hop. Donc en gros ça revient un peu au même principe que c'est tout simplement un skyblock. Donc c'est une île. Et avec plusieurs autres îles, pourquoi pas, admettons, et qu'il faut tout simplement se déplacer avec des passages en fin de compte, des tunnels que vous faites comme ceci, voilà. Donc vous vous en sortez. Donc tout simplement, en vrai, ça ne change pas vraiment grand chose, à part qu'on a la tête à l'envers, voilà, tout simplement. Et que ça, c'est assez compliqué parce que quand on va devoir se fight contre des zombies ou quoi que ce soit, je sais pas ce que ça va donner, mais ça va être un peu hard, je trouve. Donc allez, let's go, c'est parti, on va aller vers ce village et on va essayer d'aller choper de la nourriture. Parce que bien sûr, nous sommes en normal, donc du coup voilà. Et là maintenant, je vais pouvoir faire ma table de... Enfin, je vais pouvoir faire mes outils. Donc allez, let's go, c'est parti, on va faire nos outils de base. Donc la hache,
On va en avoir besoin. Maintenant, on va faire tout simplement une épée, histoire de s'en sortir. Et à la rigueur, pourquoi pas une pelle, histoire de pouvoir prendre un maximum de ressources. Donc allez, let's go, c'est parti les amis. On va prendre du bois. Allez, voilà, parfait. Comme ceci, hop là. Donc faut surtout pas que je casse le dernier tronc. Donc il faut que je vérifie s'il y en a un autre juste en dessous. Oui, il y en a un autre. Donc ça c'est plutôt cool. Et là maintenant on va casser par ici pour aller vers le village. Voilà, comme ceci. Et ensuite on va continuer notre chemin. Allez, notre périple. Voilà, donc on fait très attention. On sneak les amis pour pas tomber dans le ciel. Eh, c'est trop bizarre de voir le soleil comme ça. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Genre, en fin de compte, notre terre à nous, en étant inversée, c'est les nuages. Mais sauf le problème, c'est que les nuages, vous passez à travers et vous mourrez. Voilà, tout simplement. Donc c'est un peu galère, mais c'est vraiment super fun, je trouve, comme tout simplement aventure. Et on va essayer de ne pas mourir une seule fois, ou essayer de ne pas mourir plus de deux fois à peu près, grosso modo, grand max. De toute façon, j'arrêterai la survie au moment où je vais mourir. Donc on verra bien comment ça se passe. J'ai vraiment très peur avec les mobs, parce que s'ils commencent à faire nuit, on va être un peu dans la mouise. Hop là, donc... Ah, mon bloc, reviens ici, petit chenapan. Voilà, parfait, il est revenu, donc ça c'est cool. Bon, on va... Je sais pas si je vais pouvoir le casser. Non, j'aurais pas dû faire ça. Ouais. Parce qu'en fait, coach, je me suis rajouté une difficulté, les amis. J'ai mis random tick speed 200. Donc, du coup, tout simplement, les arbres se cassent beaucoup plus rapidement parce qu'ils se régénèrent, en fin de compte. Donc, voilà. Donc, ça, c'était un petit peu pour les champs, pour que ça pousse un peu plus vite et tout. Mais en vrai, on en a même pas besoin parce que, bah, tout simplement... bah, on va essayer de trouver de la nourriture dans ce village. Donc là, la première... La première tâche qu'on doit faire, c'est tout simplement essayer d'aller tout simplement chercher des ressources dans ce village. Et ensuite, on va aller dans les mines pour aller chercher un petit peu de minerais, de fer et tout. Enfin voilà, histoire d'avoir un peu de ressources. Donc là, je suis un peu dans la mouise. Oh là là, eh, c'est trop galère, ça fait mal au crâne de voir ça comme ça. Hop, on va monter, on va récupérer tous les blocs. Eh, salut cochon! Alors ça va? Viens par ici. Non, reviens! Ah! Je vais avoir ma première nourriture. Allez, let's go, c'est parti. Oh mince. Ça, c'est pas de l'économie ce que je suis en train de faire. C'est pas grave. Mais je veux mon cochon! Il est où? Bonjour! Allez, viens. Allez, viens, n'aie pas peur de moi. Faut pas avoir peur. Je suis tonton killer pingouin. Yes! On a eu notre première. Yes! On a eu en plus de ça de l'XP. Je suis trop content. On a utilisé tout notre bois pour rien. Yes! Génial. Hop! Wouhou! On a eu notre première petite côtelette de porc, donc ça, ça fait plaisir. Donc là, on va pouvoir redescendre, on redescend, voilà, hop là. Là, on fait juste un petit chemin, voilà. Donc on va jouer très safe, les amis, on va jouer super safe, parce que tout simplement, j'ai pas envie qu'il m'arrive des bricoles, donc on va essayer d'être au plus juste. Donc ça va être trop bizarre quand on va aller miner, les amis, ça va être juste chelou. Voilà. Donc on va prendre de la terre. Oh! Oh, c'est trop bien! Oh, regardez, je tombe directement sur une mine. Bah écoutez, moi je dis pourquoi pas d'aller chercher la mine, hein. Première chose. Donc on va essayer de pas tomber, parce qu'on a un petit carré et c'est assez short. Voilà. J'aimerais bien récupérer tous les blocs. Ah ouais, mais faut sauter quoi pour récupérer tous les blocs. C'est super chaud, les amis. C'est trop chaud. Oh, j'ai trop peur de tomber dans le vide, les amis. C'est horrible comme sensation. Genre d'être inversé comme ça, c'est juste bizarre. Trop bizarre. Donc on va faire un escalier. Voilà. Hop là. Là. Oh là 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 là, je me paume. Ah, mais là faut que je casse au-dessus de ma tête. Voilà, on va récupérer tous les blocs. Voilà. Et là maintenant, on va monter. Alors, c'est pas vraiment une mine, mais on est un peu plus safe. On est un petit peu plus safe. On a l'impression qu'on est dans un monde classique, sauf que l'eau est à l'envers. Ça, c'est plutôt pas banal. Donc ça, c'est vraiment super cool. Et là, on va récupérer. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. Bah oui, bien sûr. Ah, oh, j'ai failli tomber dans mon propre trou, les amis. Donc allez, let's go. C'est parti. Le village, on l'abandonne, même si on n'a pas de nourriture. C'est pas grave. Et on va juste aller chercher un petit peu de minerai. On va essayer. Donc là, en fin de compte, pour aller au centre de la terre, il faut juste que je monte, que je fasse des escaliers en montée et pas en descente. Donc c'est trop chelou, mais c'est pas grave. Et c'est quand même plutôt amusant. Donc moi j'aime bien ça. Donc allez, let's go, c'est parti. Ah, notre premier filon de fer. Yes. Donc ça c'est cool. Donc la première chose que je vais faire, c'est tout simplement aller récupérer ma table de craft, qui est tout au bout, bien sûr, que j'ai oublié de reprendre dès le début. Parce que ça peut servir quand même, hein. Voilà. Oh non.
Je l'ai eu? Yes, je l'ai eu. Ah oui, regardez, mon skin est à l'envers aussi quand j'ouvre mon tableau de bord de craft, tout simplement mon inventaire, et c'est vraiment super fun à voir. Oh là 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 là, j'ai failli tomber dans le vide. Donc là, c'est la nuit, les amis, ça va pas rigoler. 30 secondes, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, on a notre premier filon, donc bien sûr... Comme je suis bête, je n'ai pas posé ma table de craft. Voilà, donc on va poser la table de craft. On va faire un peu plus de bois. On va faire un peu plus de stick. Et avec la pierre qu'on a eue, on va faire une pioche. Voilà, déjà pour avoir du fer. On va faire une épée pour être un peu plus safe. Voilà. Et on va faire une hache pour aller un peu plus vite pour casser du bois. Voilà, tout simplement. Et là, je pense que ce qu'on va faire, c'est aller récupérer ce fer du coup. Voilà, comme ceci. Oh, c'est un beau petit filon. Oh, ça fait du bien, c'est un beau petit filon. Et regardez-moi ça, les blocs, ils sont attirés par la gravité, donc du coup, ils tombent. Et c'est trop beau. C'est trop trop beau parce que c'est tout à fait normal. Mais vu que nous, on est inversé, ben, on a l'impression que les blocs lévitent. Alors que pas du tout, pas du tout. C'était à la différence de mon autre vidéo que j'avais fait en Upside Down, où tout simplement, cette fois-ci, c'était tout était inversé, à part nous. Mais nous aussi, on était plus attiré par la gravité. Je vais réussir à parler, hein, vous inquiétez pas. On était plus attiré par la gravité, mais donc du coup, on s'envolait. C'est un peu comme sur la Lune où on n'était pas attiré par la gravité de la Lune et entre autres la map de Minecraft. Donc du coup, on s'envolait. Alors que là, c'est vraiment le monde est inversé. Donc c'est à peu près les mêmes caractéristiques, sauf que tout simplement c'est nous qui sommes vraiment juste inversés. C'est pas la gravité qui a changé, c'est nous qui sommes inversés dans le monde. Et la gravité reste la même. Donc moi je suis attiré par la gravité. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est vrai, c'est que si je suis attiré par la gravité, comment ça se fait que je suis pas la tête collée contre les blocs? C'est vrai que ça c'est un peu chelou. Ouais, c'est... mystère et boule de gomme. Donc très sympathique, moi j'aime beaucoup ça. Hop là. Et si vous voulez, on pourra faire tout simplement un combo entre les deux modes. Donc ça veut dire l'inversion... comme celui-là et tout simple. Ah, je peux pas sauter. Ah si, c'est bon. L'inversion est tout simplement plus de gravité. Donc ça pourrait être très intéressant pour voir un petit peu comment on pourrait s'en sortir. Donc là, je suppose que je vais pas pouvoir récupérer mes blocs. Ah bah non, bien sûr que non. Hop, sinon ça serait trop facile. On va poser. Ah non, je me suis bloqué. Bon, c'est pas grave. On va juste remonter comme ça. Hop là. De toute façon, faut aller vers le haut. Donc, je sais pas pourquoi je creusais vers le bas. Faut aller vers le haut. Donc, la bêtise à ne pas faire, c'est de creuser vers le bas. Parce que sinon, bah, je tombe dans le vide. Voilà, tout simplement. Donc, on va éviter ça. Regardez-moi ça. On a des escaliers. On a l'impression que là, je vais descendre au centre de la Terre. Alors que pas du tout, les amis. Pas du tout. C'est pas du tout ça. Donc, ça, c'est vraiment cool. Hop là, on va casser ça. On va continuer un petit peu à monter. Et on va essayer de trouver une caverne ou un peu plus de fer. Et ensuite, on va juste faire un petit four. Et aussi, on fait des petites ressources de pierre. Comme ça, si on a besoin de faire des chemins pour aller jusqu'au village et pour avoir de la nourriture, ça pourrait être sympatoche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, tout simplement. On a combien de fer, juste pour savoir? On en a 14. Donc, possibilité de se faire pratiquement tous les outils. Et peut-être une partie de mon stuff. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Mais là, pour l'instant, le but recherché, c'est de prendre un maximum de pierres pour pouvoir se balader sur toute la map. Donc ça, ça va être très très fun. Donc allez, let's go, c'est parti. On récupère tout ça. Voilà, comme ceci. Et je pense que là, je casse encore 2-3 fois si je ne tombe sur rien. Ok, je suis tombé sur du charbon. Donc qui dit charbon dit fer à proximité, normalement. Voilà. Donc comment c'est mis? Ah, je suis couche 37. Donc ça met quand même les couches. Comme si j'étais dans le monde normal et pas inversement. Donc ça aurait été plutôt marrant s'il me disait genre couche 127. Donc là ça aurait fait mindfuck dans mon cerveau et je me serais dit mais où est la couche 11 du coup. Mais non, c'est ça reprend les bases de Minecraft, donc ça c'est plutôt cool. Hop là, donc voilà, hop, hop, on va casser tout ça. Bon, on va casser la hache, voilà, parfait, on a cassé la hache, donc on a eu ce qu'on voulait. On va tout simplement maintenant faire un four, je pense qu'on va s'installer dans les sous-sols, en fin de compte. Voilà, alors j'ai Night Vision, oui, j'ai Night Vision, donc ça c'est plutôt cool. Donc on va se baser ici, parce que c'est quand même plutôt cool d'avoir un toit en eau. Est-ce que quelqu'un a déjà eu un toit en eau dans Minecraft? Non, je ne crois pas, donc on est les premiers. En plus de ça, il n'y a même pas besoin de verre ou quelque chose comme ça pour faire retenir l'eau, moi c'est nickel. Donc, première chose, oui, bien sûr. Première chose qu'on va faire, c'est tout simplement un four. Voilà. Ensuite, le four, on va le poser. Oh, regardez-moi ça! Il est à l'envers! Et comment ça rentre du dessus? Ok, d'accord. Waouh, c'est trop stylé, les amis. Donc, si je dis pas de bêtises, si je mets ça comme ça,
Et comme ça? Ah bah non, ok, ils ont gardé quand même le sens. C'est dommage, parce qu'ils auraient pu tout inverser. Mais bon, on ne rêve pas trop, hein, les amis, voilà. Donc, en attendant que tout ça cuise, je vais tout simplement aller vers le village. Donc, allez, waouh, c'est trop beau de voir la map comme ceci, avec le ciel inversé comme ça, où la nuit est en bas et la plaine, tout simplement, est en haut. Où il y a des moutons, où il y a des squelettes. Ouh, j'ai pas envie de savoir ce qui va m'arriver si je tombe dans le vide. Ouh, j'ai pas envie de savoir. Regardez-moi ça, la lune. Vous l'aurez jamais vu comme ça, la lune, hein. Clairement. Alors que je suis en train de poser des blocs. Donc on va aller vers le village. J'espère que j'ai assez de pierres. Allez, let's go. C'est parti. Ok, ça se passe plutôt bien là pour l'instant, hein. On fait notre chemin. Oh, y a un cochon. On va essayer de le tuer, les amis. Alors, attends, bouge pas trop. Non, bouge pas. Bouge pas trop, s'il te plaît. Hop. Hop. On va monter. Oh là là, c'est trop risqué ce que je fais. C'est horrible. Ok. Tu es où? Oh non, il a bougé. Oh non, il a bougé. Tout... Oui. Viens. Viens, il me faut de la laine en plus. Allez, viens. Oh là là, mais ils sont à 4 km de moi à chaque fois. C'est horrible, les amis. Ok, on va essayer d'y aller et de le tuer. Ok. Mission de tuer le mouton. On a réussi à tuer un cochon. Je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à tuer un mouton. Hein. Mais il est où? Mais il est parti à 4 km. Oh, mais c'est horrible, les amis. Il faudrait en fin de compte que je fasse un terre-plein de partout, mais à cette hauteur-là. Comme ça, je peux me balader sur toute la map. Mais ça me prendrait genre 4 heures à faire. Donc, ça serait trop galère. Oh, le cochon. Oh, le cochon vient vers l'arbre. Oh, il y a autre chose par ici. Oh, c'est un creeper. Je vais pas trop m'en mêler, je vous avoue. Alors, toi, tu vas prendre ton sale quart d'heure. Et par ici. Non! Je veux pas de squelette. Ah! Il y a des zombies. Non. Non, c'était pas prévu, ça. Il va venir? What? Mais c'est quoi, ça? Non! Yes! On a réussi à le tuer. On va s'échapper comme ça. Hop là. Il faut vraiment que je mange. Hop, donne-moi ça. Mets la côtelette. S'il te plaît, faut que je mange. Il est où, le zombie? Oh, mais c'est trop chaud! Parce que je sais pas où il est, du coup, le zombie. Oh, mon Dieu, j'ai faim. J'ai plus de vie. Ah, je peux pas fight comme ça. Oh, c'est la mouise, les amis, là. Là, c'est la mouise. Vous sentez un peu que ça pue, là? Genre, ça pue bien comme il faut. Donc, la première chose qu'on va se faire, c'est des torches. Voilà, comme ça. Et ça, on va le garder. Je sais pas si les zombies peuvent passer. Donc déjà, ici, on va... Ah, c'est trop bien! Regardez-moi ça! Les torches, elles sont inversées aussi! C'est trop cool! Oh là là, c'est trop beau. Bon. Alors, est-ce qu'on peut manger les pissenlits? Non, on peut pas manger les pissenlits. Dommage! Ok, donc on va prendre la côtelette, la seule côtelette qu'on a eue. Et on va aller se fight, les amis. Allez, let's go, c'est parti. Il est où, ce zombie? Bonjour! Eh bien... Eh bien. Ah! Ok, bah je suis mort. Bon bah écoutez, bah voilà les amis, je suis mort. Donc on va quand même continuer, hein. Juste rien que pour le plaisir. J'avais dit genre minimum de morts, parce que je savais très bien que j'allais mourir au moins une fois. Donc allez, let's go, c'est reparti. On va continuer. Hop là, donc on va prendre la pierre. Voilà, comme ceci. On va monter. Et on va refaire le petit chemin. Et je m'attendais pas du tout à ce qui est tout simplement. Alors. Là, c'est risqué ce que je vais faire. Hein. Je vous le dis tout de suite. C'est très risqué. Bon, on le tente quand même. On est des bonhommes, nous. Voilà, parfait. Donc là, on retourne ici. Et là, on va juste colmater les trous. Hein, parce que là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, les amis. Alors. Je peux par ici colmater. Voilà. Donc là, je vais colmater. C'est bénef parce que c'est le jour. Donc, il n'y a plus trop de risques. Bon, en même temps, ça nous a permis de plus avoir de nourriture. Donc, du coup... Oh là là. Ah, mais pourquoi j'ai fait mon entrée ici? Hein, voilà. Hop là, parfait. Et on va juste casser ce bloc. Je sais pas ce qu'il y a en dessous. Hein, je vous le dis tout de suite. Ok. Parfait. Parfait, là c'est parfait. Ok, donc on a réparé notre grotte, les amis. Et là, la première chose que j'ai envie de faire, je vous avoue, c'est de faire pousser un arbre. Alors on va essayer de faire pousser un arbre. Alors c'est pas donné à tout le monde. On va poser un truc ici.
Et on va casser tout ce qu'il y a autour. Ok? On va creuser. Voilà. Donc on va mettre des barrières aussi, hein, pour pouvoir le protéger. Comme ça, on a... Oh, une citrouille. Bonjour, toi. Voilà, voilà. Donc on va faire un petit peu de place, histoire qu'il puisse pousser. Parce que bien sûr, si je pose la pousse d'arbre, elle va être inversée. Hein. Alors, hop. Je peux récupérer tout ça. Ok, la citrouille ne se désintègre pas, donc ça, c'est plutôt cool. Hop, hop, hop. Donc là, il y a plein de pierres hop, que j'ai envie de récupérer. Là aussi, je vais casser. Là, je casse ça. Alors, j'ai fait une pioche en pierre. Alors, je ne vois rien. Donc, ça, c'est un peu délicat. Vu que je suis devant mes items. Alors, hop. Alors là, je suis complètement dans le vide, hein, les amis. Je suis dans le vide. Mais oui, il faudrait que je fasse une source infinie d'eau. Et je pourrais passer n'importe quand. Voilà. Donc là, on va faire pousser notre arbre. Et on va casser tout le tour. Allez, let's go, c'est parti. Oh là 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 là, mais c'est magnifique les amis. Bon, ça on va la casser aussi. Voilà. Allez, on va continuer à casser. Et j'ai envie d'avoir mon arbre. Voilà, normalement t'as assez de place là pour pousser, non? Me dis pas le contraire. Me fais pas mentir. Hop là, pousse! Bah pousse! Bah qu'est-ce qui t'arrive? Hop, je te mets des loupiotes, comme ça voilà. Hop là, et là, la chose qu'on va faire, tout simplement, les amis, ah bah on n'a plus de bois, donc c'est génial. Hop. Je ne sais plus si c'est comme ça. Ah non, c'est pas comme ça, c'est inversé. Il faut mettre ça là, comme ça. Hop, voilà. Et voilà, parfait. Donc là, la chose... Oh, on a fait pousser notre arbre, c'est trop beau. Donc voilà, on va faire quand même des barrières, histoire de se protéger. Donc là, il y a un énorme trou. Hop, donc on va le boucher. Regarde-moi ça, on a fait pousser notre premier arbre. Il est à l'envers, il est trop beau. Et du coup, ça me permet de récupérer tous les items qu'il y a au-dessus. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc maintenant, on va aller tout simplement vers notre village. Donc on a 14 de fer. La première chose qu'on va faire, c'est tout simplement déjà une épée en fer pour pouvoir se défendre. Aussi, ça serait bien que je fasse un coffre, mais je n'ai plus de bois. Donc tant pis. Donc, une pioche. Voilà, on va tout changer. Une hache pour avoir tout simplement un petit peu de bois sur notre chemin. Et allez, let's go, c'est parti. On va aller dans ce foutu village où c'est tout simplement la quête d'aujourd'hui. Oh là 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 là, je me suis fait peur tout seul, les amis. Donc allez, let's go, c'est parti, on continue. On descend. Hop. Voilà, parfait, parfait, parfait. Ok, bon, on va utiliser de la terre, hein, écoutez, hein. Voilà. Hop là. Voilà. Allez, j'espère qu'on va y arriver. J'espère qu'il n'y aura pas un creeper sur mon chemin. Si on est dans la nuit. Ou même de jour, il peut y en avoir. Donc j'espère qu'il n'y en a pas un. Sinon c'est la mouise. Attendez, je vais quand même regarder. C'est dommage parce qu'il y a des animaux là-bas, mais je sais que je les aurai pas. Donc il faut mieux plutôt que je fasse une plantation. Genre de blé ou de conneries comme ça. Oh là là, c'est perturbant de voir les nuages comme ça. Genre, j'ai l'impression de d'être vraiment inversé, hein, et je le suis d'ailleurs. Hein. Mais c'est trop, 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 trop chelou. Hop là, donc on continue. Ok, on a utilisé toute notre terre. Qu'est-ce que ça donne? Nous sommes où? Oh, le village, il est là! Oh oui! Oh oui, 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 monsieur. Oui, oui, monsieur. Je dis oui. Donc, on va continuer sur le côté. Voilà. Non, me dis pas que le ciel commence à se... Oh mais non, je suis... Non, j'ai fait à l'inverse. Regardez-moi ça, ces chemins que nous avons fait. Donc on va aller récupérer encore de la terre. Nous arriverons bientôt à notre petit village. On va essayer de faire un petit stack de terre pour être bien un petit peu. Et ensuite, on va aller dans ce village. Aller explorer un petit peu. Donc on retourne dans notre petite caverne. Voilà, tout simplement. Et on va tout simplement aller prendre de la pierre. Parce que c'est quand même un peu plus résistant. Ouais, je dis ça, non, c'est pas plus résistant, malheureusement. Il faudrait de l'opti. Il faudrait faire des chemins en obsidienne. Ça, ça pourrait être cool. Hop là. Donc allez, let's go, c'est parti. Donc on fait que de 4, comme ça on récupère tous les blocs. Parce que le problème, c'est qu'il est vite. Donc si je fais un peu plus de 3, bah, il va falloir que je saute à chaque fois pour aller récupérer les blocs. Et c'est un peu usant, je vous avoue. Hop là, on va casser les avec ça. Hop là, hop là.
Donc, bon, on va continuer de ce côté-là parce qu'il y a de la pierre. Hop là. Voilà, il nous faut un bon petit stack. Donc là, on est bientôt à notre stack. Donc c'est quand même agréable. Voilà, 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 voilà. Comme ceci, comme ceci. Ah, oh, on a du charbon encore. Donc ça, c'est cool. Hop là, hop là. Hop, 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 hop. Voilà, comme ceci. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, voilà. Je pense qu'on est pas mal parce que là on a un peu plus. Oh, on va prendre un tout petit peu plus d'un stack. Parce que je pense que le temps d'y arriver et tout, ça va être un demi-stack. Et après de se balader sur toute la, sur tout le village, ça va être assez hard. Donc on va essayer d'aller prendre un maximum de pierres. Hop, hop, voilà, parfait. Donc là je pense qu'on en a assez. Oui, on en a assez. Donc allez, let's go, c'est parti. Oh, c'est trop bien. Oh, il y a de la pierre ici. Hop là. Miam, 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 miam. C'est trop bon. Donc, allez. On est parti pour l'expédition village. Non, ça, c'était de l'autre côté. Oh là là. Le chemin infini que j'ai fait. Mon Dieu, ça ressemble à rien. Ça ressemble strictement à rien. Mais c'est trop marrant, les amis. Regardez-moi ça. J'ai vraiment la tête dans le sol. Bon, là, j'ai fait une petite dérive. Je me suis trompé. Donc, allez, let's go. C'est parti. Village. Ok, donc on avance bien. J'espère qu'on va arriver très rapidement, soon. Ok, bonjour soleil. J'espère que tu vas bien. Donc en gros là, je bronze vers le bas, mais pas vers le haut. Hein. Donc ça veut dire que mes jambes vont être cramées et le dessous de mes pieds aussi. Mais par contre, le reste, non, normal. C'est trop marrant. C'est trop trop marrant, les amis. Oh, on est arrivé au village. Bonjour les amis. Oh, il y a du blé. Oui, je dis oui au blé. Donc on va monter. On va faire un double escalier. Quand même. Pour être sûr d'aller tout récupérer comme il faut. Voilà. Et là, on va juste... Oh, bah, vous avez vu ce que je vous disais sur le stack ? Ça part très 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 vite. Donc on va faire ça et là on va casser. Et là on va récupérer le blé. Hop là. Hop là. Là aussi, j'aimerais bien récupérer ça. Là je vais essayer de récupérer. Yes, on va pouvoir se faire un champ les amis. Oh là là, mais c'est trop bien. C'est trop... Ouh. Ok, d'accord, j'ai eu très peur. J'ai cru que j'allais tomber dans le vide, encore une fois. Hop là. Et bah écoutez les amis, je vous propose d'aller faire directement le champ. Sans terre bien sûr hein. Allez, let's go, on va poser notre champ. Comme ça on va être bien. Et on verra ce que ça donne. Hop là. Oh là là, le chemin est interminable. C'est horrible. Allez, 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 allez. Hop là, voilà, c'est bon. On est retourné à notre emplacement. On va juste creuser un petit peu. Alors, moi, ce que je vais faire, par contre, j'ai pas de bois. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Excuse-moi, arbre, mais j'ai besoin de bois. Voilà, hop là. Donc, on va prendre ça, on va faire ça, on va faire ça. On va faire ça, on va se faire des outils. On va se faire une pelle, voilà. Même si une pelle en fer, c'est pas très utile, j'aurais pu faire en bois, c'est pas grave. Ah, il y a déjà un trou ici. Bon, on va le reboucher. Voilà. Là, on va casser tout le haut. Voilà, comme ceci. On aménage, quoi. On aménage, les amis. Donc, voilà, qu'est-ce que ça donne. Hop là. Et on va le faire dans le coin ici. Donc, il faut une source d'eau aussi, donc un seau. On va essayer de faire une source infinie. Donc, on va faire... Ah, bah j'aurais pas assez pour faire une source infinie. Mais je suis bête, j'en ai une juste au-dessus de moi, de source infinie. Bah, c'est trop cool, ça. Ah bah voilà. Et bah voilà, qui est bien. Donc là, on va casser tout ça. Voilà. Ça aussi, on va casser. J'y pensais même plus que j'avais une source infinie. Donc là, à ne surtout pas tomber. Voilà. Donc on va mettre de la terre. Voilà, comme ceci. Voilà, on est bien. On va continuer à creuser par ici. Donc là, on va récupérer tous les blocs.
qui vont nous servir d'aller dans le village, de continuer notre périple dans le village. Hop, 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 voilà. Et on va l'agrandir un petit peu. Voilà, comme ceci, les amis. Et là, pareil, on va encore agrandir. Voilà. Et franchement, pour l'instant, je ne sais pas si de ce que vous en pensez de la survie, mais moi, je m'en sors plutôt bien, je trouve. Donc allez, let's go, c'est parti, on va casser tout ça. Voilà, comme ceci. Et là, maintenant, c'est parti. On va faire... Oh, yes. Ah oui, je suis bête. Ah, j'avais pas pensé à ça, en fin de compte. Parce que si je fais ça, qu'est-ce qui se passe, concrètement? Si je fais ça, et que je fais ça, hop là. Est-ce que je peux retourner la terre d'ici? Non, je peux pas, c'est ici. Non! C'est horrible! Donc alors, attendez. On va régler le problème. C'est pas bien compliqué. Voilà, déjà ça, on l'a réglé. Voilà. Voilà, comme ceci. Ah, c'est trop chelou, c'est perturbant. C'est perturbant de ouf, les amis. Regardez-moi ça. J'ai ma source d'eau qui est juste ici. Et du coup, après, je vais retourner toute la terre. Voilà. Voilà, comme ceci. Comme ceci et comme ceci. Voilà. Et maintenant, je pose mes graines. Oh là 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 là. Oh, c'est trop beau. Ah, je ne peux pas poser mes graines ici. Pourquoi? Ok, il y a des graines que je peux pas poser. C'est parce qu'il y a ça? Me dis pas que c'est ça, hein. Hop là! Bah non, bah par ici, je ne peux pas le poser. Bon, bah écoutez, ça sera un demi-champ. Mais pour l'instant, ça pousse bien. Regardez-moi ça. C'est pas beau le champ comme ça? Oh là là, il est magnifique. Moi, je kiffe énormément. Donc écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici les amis, tout simplement. Donc si vous voulez voir une suite ou quoi que ce soit, lâchez votre plus gros pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires que vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Donc en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche, ça me ferait énormément plaisir. Comme je vous le rappelle, il y a l'objectif 50 000 abonnés maintenant, 50 000 les amis. 50 000, c'est vraiment énorme, donc merci à vous. Donc je compte sur vous pour qu'on soit 50 000 sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à lâcher donc du coup le petit pouce bleu et le commentaire qui fait énormément plaisir comme je vous ai dit. Et merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'était la meilleure façon de soutenir ma chaîne. Donc merci infiniment. Et moi sinon sur ce je vous dis ciao bye bye pour une prochaine vidéo.